Et salut les loulous, ici Gemino pour le 6ème épisode de Pokémon Crystal pour Ivasam Studio, la course entre Endo, Ores et moi-même. Qui arrivera à la ligue en premier? Eh ben, ce sera pas dans cet épisode tout de suite que vous le saurez. La dernière fois, on avait capturé... D'abord, on avait capturé le premier en premier quand même. Un sublime Nidorino, bon, qui était un Nidoran mâle, évidemment, avant. Pardon. Et donc, il a déjà évolué, hein, je l'appelais Netkin en référence au plus grand fan de Nidorino du monde, bien sûr. Voilà, quoi, faut se respecter. Et ensuite, on avait... capturer un Caninos, un Canisos, pardon, ce n'est pas pareil. Donc on avait commencé à l'entraîner, et puis bah, aujourd'hui, on va continuer. Mais avant ça... Mais avant ça, je n'ai rien oublié à demander. Rien du tout. Regardez. Je vais parler à un PNJ qui ne va rien me donner, parce que j'ai pas oublié d'y aller avant. Effet du repousse terminé. Et oui, Jamie. As-tu vu l'arbre que j'ai vu sur le 36? Ma petite sœur a absolument tenu à aller le voir. Ça m'inquiète, n'est-ce pas, dangereux? Ok, vite. J'ai perdu du temps. D'accord, donc là, faut aller voir la gamine, c'est ça? Sac, j'ai du repousse. J'ai du repousse, oui. J'en avais acheté l'épisode dernier. On a encore pas race pour coupe. C'est parfait. On va construire un petit esclave, hein, quand même. Voilà. Bonjour. Je suis Flora la fleuriste, écoute-toi. Quand j'ai aspergé l'arbre gigoteur, il s'est mis à sauter. C'est peut-être un Pokémon. Ah, du coup, faut retourner les voir. Oh, la galère. Et galère et merde, oh merde. Allez, allez, ça fait pas du tout 15 minutes que l'épisode est lancé et qu'on a encore rien fait parce que je me suis trompé comme un bros. Je vais dire booster, mais t'inquiète, c'est pas grave. Je ne t'en veux pas. Est-ce que tu comprends ça? La 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 la, l'eau ça mouille. Waouh. What? Oh, tu as battu Blanche, d'accord. Non, mais vous inquiétez pas, hein. Pas grave. Je vais très bien dans ma vie, putain. Bon, cette fois, on est parti. On a le carapuce à eau, on va se faire quelques dresseurs, hein. Ah oui, l'œuf. L'œuf qui éclose. Qui éclosu, qui éclosé. Avec un joli Togepi dedans. S'il est shiny, je pète un câble. En fait, je sais pas s'il est shiny. En fait, j'en sais rien, je connais pas les couleurs de Togepi. Enfin, si, les couleurs sur sa carapace sont inversées. En fait, je sais pas, elles sont dans quel sens de base. Hop, le parc naturel qu'on avait déjà vu pour aller capturer Nidoran. Et là, ah, d'accord. On va battre les dresseurs cette fois. Roucoule. De niveau 13, on va faire. On va essayer de faire de la vie. Pokémon sont les mieux du monde. Tu vas voir ça, oh oui. Franchement, c'est les plus mieux du monde à moi. Allez, t'as quoi, je me souviens plus. Un Snubu, le classico. Niveau 14, ça va, il est pas très high level. Allez, on va espérer la brûlure, on va faire la technique du axe. Allez! Je lis dans la RNG, je vous l'ai dit, je lis dedans. Allez, le flinch avec. Ah non, pas le flinch, il fait grimace. On va être plus lent que lui maintenant, je pense. Hein. On a moins d'en vitesse. Je sais plus si c'est divisé par deux. Ah, il a une bête. Je sais qu'à partir de la 5G. Ah non, c'est pas divisé par deux quand on est à moins. Je sais plus comment ça marche. En tout cas, tu brûles. Et au prochain tour, tu es mort. Effet minuqueux, ok, on aura pris 0 dégâts. Pour 190 points d'XP. Et on n'a pas de level.
Il est très lent, XP Caninos. Enfin, Canisos. Que je me rappelle de son nom. Allez, grand est le monde des Pokémon. Inconnu encore de grandes choses sont. Plus que toi, je sais. Maître de Jedi, je suis. Oups. Jules Écolier. Ah, Jules. Salut, Jules, ça va? Mystère, voilà, ça c'est parfait. Alors, je travaille sur Mystère, et son deuxième, ça va être l'autre, là. Chétiflore. Le Pokémon miroir. Un doux parfum. Waouh, quelle animation de ouf. Merci, baisser mon esquive. C'est super utile, je peux. Et le niveau 14, premier level pour Canisos. Il va utiliser Voltorb, d'accord, ok, il a décidé de me... Ouais. Ouais, il est plus rapide, on va faire mèche. Parce que la morsure, ça va pas faire grand-chose. Enfin, surtout, ça sert à rien, parce que je peux pas le flinch, alors que là, je peux bouger. Alors, on va tenter. Toujours pas. Là du coup la brûlure devient inutile. Donc encore deux coups et il est mort. Et on l'aura pas brûlé, tant pis. Il a perdu quand même 20 PV hein, sur ce coup. Mais lui il aura perdu la vie. Et 300 points d'XP, c'est bien, ça nous fait une moitié de barre à peu près. Beaucoup de potions aujourd'hui, on prend plus hein. Clairement. Oh, des grandes herbes. Alors toi tu as un Raichu je crois. On adore nos Pokémon même si eux nous détestent. C'est ça un vrai fan. Ah là là, nous on l'adore même si eux ils nous détestent. C'est pas grave. Voilà un Raichu. Raichu qui était encore obèse à la base. Oh quel monstre. Ah, il a tonné, il me semble. J'espère que je survie quand même. Ouf. On va mettre un caillou, hein, du coup. Alors, je sais pas si ça vous dérange, mais je vais peut-être mettre un caillou. Au coup critique, d'accord, je lui fais 0 dégâts. Ou Macronium, je pourrais mettre. On va tenter Macronium, faut qu'il XP aussi. Hein. Parce que je rappelle qu'on va abandonner un caillou, hein, dans pas longtemps. La petite tranche herbe. Nice. Ok. Prochain coup, il est mort. Ah, quoique. La baie. C'est vrai que les Pokéfans ont des baies, du coup. Faut le retenir, faut le retenir. Et ça me tue. Hop, 180 points. C'est gagné. Mon Pokémon. Ah, elle repousse ses dissipés, c'est vrai. Je vais en réutiliser encore. Oh, Nidoran femelle. J'ai oublié de me soigner. Oups, pardonnez la petite coupure, j'ai eu un petit... comment peut-on appeler ça? Petite interruption IRL, voilà. Alors toi, tu es dresseuse aussi? Oui. Bonjour, pourquoi tu me regardes? Quoi? Combat? Ok! Un mystère. Easy. Vas-y, t'inquiète. Ça me pose absolument aucun problème. Eh, pas de niveau 15 encore. Un osselet, oui, on va changer.
Je veux pas mourir. C'est bon. Un Magmar avec point de feu au niveau 11, ça va 30 secondes. Lui, le Osley, il va avoir séisme, je vais rien comprendre. Alors, s'il vous plaît, faites pas mal. Hop, ça, ça fait. Parti est envoyé un moment, c'est parfait. Est-ce que tu es une dresseuse? Non. Fenêtre de ma fille, c'est cool, hein. Oui, on peut faire porter des objets aux Pokémon. Alors les objets là, bon, je vais pas les prendre, je sais pas ce que c'est en vrai. C'est un PC ça? Oh. Alors je sais que maman, elle peut nous acheter des... Ah zut. Elle peut nous acheter des pierres lunes. Sachant qu'il y en a pas masse, on va stocker... Togepi. Et par là, on va le garder encore. Un arbre à fruits. Est-ce une bégèle? Je crois que c'est pour soigner le gel. Ou alors le jeu me fuck up complètement. Je suis puissant. Qui n'existe. Abra, c'est parfait, il aura téléport, hein, comme d'hab. Quoique, est-ce qu'ils ont déjà pu s'en se cacher? Oh non. Oh le cancer. Cancerum. Allez, Canisos. Allez, Canisos. Oh putain, le quatrième flash. Canisos, 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 Canisos. Cinquième flash. Oh. Navré pour vos yeux, hein. C'est pas de ma faute, c'est le jeu. Et... oui. Ouais, il y a trois Pokémon, hein, je rappelle. Niveau 15, oui. Abra. On va essayer de bourrer. Il refait flash, mais cela échoue, merci. Ah. Ah, dommage. D'accord, donc il a que flash en fait. Et on en réussit 3 à la suite, wow. Ça c'est cool, 200 points d'XP, et hop. Ou par contre, Kadabra. On va reset la précision, voilà. C'est une blague. Et Kadabra, t'as... Quoique, il est niveau 15. Ah non, j'allais dire, il a choc mental. Quand même. Ça va être un petit peu abusé sinon. Allez Canisos, on va lui faire une morsure dans les moustaches. Là, il m'en veut 24 PV. Voilà. On va se barrer. Je veux pas mourir moi. Hein. Oh, mais le critique et la confusion. Yolala. Eh, Macronium, je crois en toi. Je crois que c'est le chaos de Macronium. Eh oui. Alors, nos choix deviennent limités. Paris, je vais rater Magie Pierre. Non, ça va, ça passe. Ah, les coups critiques, bon. C'est pas utile. Ah, dommage, dommage, ça aurait pu être mieux. Je suis une tâche. Non, ça va, franchement, pour un PNJ, t'es bon. Enfin, pour un PNJ, ton, on peut le dire.
Hop, là, il y a le dresseur encore. Je suis incollable, là, l'attaque. Yeah! Il envoie un sac de nœuds. Parfait. Perfecto. J'ai pas réussi à rouler le R. Les constructions, c'est pas grave. Tant que c'est pas ligotage, tu fais ce que tu veux. Ah, la brûlure, c'est bon. Parce que là, le... Je pense que le two-shot, il aurait été vraiment sur le fil du rasoir. Mais là, du coup... Zii. Oui. Et le niveau 16. Et il n'apprend rien. Sanson et Collier a perdu. Ops, un maître trempé. Eh oui. Tu n'as pas la science infuse. Narbre bizarre, utile car plus à vous ? Oui. Et donc Simla, moi. Qui dandine joliment son bassin. Ouais, je vais pas le capturer. Je vais juste le tuer, hein, ça va vite fait. Dandine son bassin avec son corps luisant. Et la balayage, ça par contre c'est pas top. Sauf que balayage, ça a une chance d'apurer en deux jets. Ampleur 7. Non. Ah zut. Ça ne passe pas. Alors on est un peu dans le caca. Je vous le cache pas. Oh je lui fais rien. Ok là si. Non ça va. Excusez-moi une seconde. Voilà. Ouh. J'espère qu'il n'y a pas de dresseur en haut. Sinon ça va être compliqué. Ok. Ah, cycle à gogo. Eh salut Game Novant, de bicyclettes ont explosé, tout ça grâce à la pub que tu as faite. Engage de renseignement, gaz et garde la bicyclette. Merci encore. J'ai cru que mon jeu avait bugué. Enfin, avait planté. Oh. Ça a arrêté de nous emmerder, oui. Salut, je suis Léo et toi qui t'es. Bon. Le spam B est de rigueur. Tenez madame. Regardez mes beaux Pokémon. Je sais pas si on va se faire l'arène maintenant, parce qu'en soi on a déjà accès aux autres routes. Donc la route 37, je gage. C'est vrai qu'il y a des Pokémon sauvages en plus ici pour XP. Mais il y avait déjà des Caninos. Mais au 14, bon. Bonjour, les Pokémon ne peuvent rien faire s'ils dorment, tu vas voir quel effet ça fait. Oh non, pas toi. Oh non, pas toi. Oh non, pas toi. Non. Niveau 17. Allez, du flinch. Tanissos, on compte sur toi. Canissos, tu me déçois. Ok, c'est bon, l'hypnose qui ne passe pas. On va continuer de bourrer Flamèche. Hein. L'hypnose qui passe.
Alors si ça c'est une hypnose, ouais. Bon, j'ai un réveil, je vais l'utiliser, je pense. Oh non, dévoré. De vos rêves qui fait des dégâts incroyables. J'ai un réveil. Je n'ai toujours pas morsure délibérée. Allez, on prie. Ah, ok, ça passe pas. J'ai toujours pas morsure. Voilà, là je l'ai. Génial. Ça se fait pas à la fin du tour, ça se fait au début. Hypnose qui repasse, on va switcher. Macronium, t'es plus rapide. J'espère. Allez, on espère pour la trancheur qui va l'achever. Yes. Coup critique. Nice. On gagne un petit peu d'XP. Donc ouais, je pense que ça va être encore un épisode de level up. Parce que l'arène, je crois, ils sont niveau 25. Je crois que Mortimer est niveau 25. Le champion, bien sûr. Je pense qu'on va faire les dresseurs qu'il y a à l'ouest. Ouais. Je vais voir de quel niveau ils sont déjà. Mortimer, le champion est absent, tu dois partir. Oh, oh, oh. D'accord. Bon bah on va pas voir de quel niveau ils sont. Non, ils sont dans la tour cendrée, il me semble. Ah, il y a le... Mon nom est Uzim. Je poursuis un Pokémon du nom de Suicune. Et toi, c'est qui? Game, hein, bah voilà. Et oui, il est là, on le sait. Champion de Rosalia doit étudier les Pokémon légendaires, Suicune, Entei et Raikou. D'accord. Merci. Ah, j'ai pas pris Fatrock. Je suis un abruti. On va aller le prendre. Je crois savoir où est-ce que c'est. J'ose espérer savoir où est-ce que c'est. T'as battu l'arbre, impressionnant, t'as bien mérité ça. Terrible éclat rock. Nice. On va apprendre tout de suite à Rakayu. C'était une CT à l'époque, hein, faire gaffe, faut pas l'oublier. Eh oui. Tu as oublié boule armure, hein, ça sert à rien, ça va jamais servir à rien. Un petit truc à faire aussi. Quoique non, je suis bête, c'est pas un combat duo, il n'y a pas de combat duo. Il y avait deux dresseuses là qu'on a évité. Ouais, celle-là. Là et moi, on est inséparables. C'est bien ma petite, bah oui. Un mélofé, oh c'est pas mignon. Bah morsure. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bah oui, bah vas-y, fais torgnole. Une attaque bien longue à l'animation, c'est génial. Bah oui. Je suis content pour toi, Mélofé. Ah non, ce serait bien que tu meurs, Mélofé. Allez, séisme. C'est jamais, hein. Et ça. Un rond doudou, tu vas voir. Oh, je suis trop fort. Hop, on lance morsure. C'est magnifique. Défense augmente. Quoique non, morsure c'était spécial à l'époque, c'était ténèbres.
On va refaire morsure du coup. On peut le flinch, ça va plus vite pour le coup. Entrave qui échoue encore, ok parfait. Canino, c'est niveau 17. Ouais. Ah, on a battu les jumelles, on va pouvoir retourner au centre Pokémon. Pour aller soigner nos Pokémon au centre Pokémon afin que nos Pokémon soient en pleine forme pour battre d'autres Pokémon. Oui, s'il vous plaît. Merci d'avoir entendu vos Pokémon sont en pleine forme. Encore merci, à bientôt. Au revoir, madame. Et direction la tour cendrée. Wouhou! Sauvage, justement, c'est vrai. Beaucoup de smoulo. J'hésite à essayer de les tuer. Pardon. Parce qu'en soi, ça ferait de l'XP, mais après. Ouais, non, c'est du trichot. Ouais. 3 pp pour 80 points d'XP. Non. Trop cher, Cassal, vous voulez utiliser Clatroc? Oui! Pour un PV plus, ouais. Bon, ça fait des sous. C'est vrai que l'argent c'est plutôt utile. Surtout 4900 Pokédollars à ce stade du jeu, c'est encore beaucoup. Oh, des rats attaques. Ça, j'ai peut-être le tué par contre. Et puis, oh, il a croix de mort. Ouh, ça fait mal. Bon bah Rakaillou. Voilà, d'un coup ça marche mieux. Et bien on va faire avec la troque. Je sais pas combien ça vaut en termes d'XP, malheureusement. Ouais, non, 120 points, ça vaut pas du tout la peine. Bon, on va ressortir, on va se re-soigner. Et je vais acheter des potions. J'adore cette musique. Ouais, un Pokémon, dis soigne du Pokémon, s'il te plaît. Oui, ils sont super forts, encore merci, à bientôt, salut! Voilà, maintenant je pense à la bicyclette, voilà, le shop est là. Salut, en quoi puis-je t'aider? Je voudrais des potions. Il y a une dizaine parce que les petits bobos, ça fait mal. Je sens que tes réveils vont avoir besoin dans l'arène. Je vais en acheter aussi. Je vais voir si là-bas je me sens plus. Je crois qu'il y a des objets, mais je suis plus sûr. Il y a un objet. Une hyperbole, bon. C'est pas super extra non plus. Mais bon. En attendant, toujours est-il que on arrive au terme de ce 6e épisode. Ce qui signifie que. Hop, voilà, on va se mettre ici, on va sauvegarder. 2h52 de jeu. Ça fait une demi-heure d'épisode tout pile. Hein. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode dans lequel on n'aura pas fait grand chose, on aura avancé un petit peu, on aura fait un petit peu d'XP. On n'a pas fini de faire XP Canino, ça va falloir qu'il soit bien fort pour l'arène. Moi, je vous remercie toujours, toujours, toujours de regarder cet épisode. A la prochaine pour l'épisode 7, dans lequel on fera la tour cendrée et encore de l'XP et des dresseurs. L'arène, ce sera sans doute l'épisode 8. En attendant, je vous dis, portez-vous bien. Et à plus sur Evasam Studio.